Bonjour à tous. Un VT spécial des enfants de la télé ce 6 février 2022, côté de la star de la chanson Noël Leroy, l'actrice star Isabelle Vitary ou encore la comédienne française Alice Paul, Frédéric François, le monument de la musique francophone, est longuement revenu sur un moment très gênant. Laurent Ruquier, l'animateur star, replonge l'artiste italo-belge francophone dans le show 40 degrés à l'ombre diffusé sur l'antenne de France 3. Un format présenté par Vincent Perrault entre 1989 et 1994 dans lequel les stars du monde francophone étaient draguées par des invités anonymes. L'occasion de voir les talents cachés de dragueurs de nos célébrités préférées. On retrouve donc le chanteur-compositeur, jeune et dynamique, devant une belle femme, entre le public et les projecteurs des caméras. La gêne est à son comble. L'immense chanteur revient avec nostalgie sur ce moment du gêne. « J'étais mal à l'aise », se confie-t-il sur le plateau des enfants de la télé. Si l'artiste était intimidé, c'est pour une autre simple raison. « Moi, je ne sais pas draguer », annonce-t-il lorsque l'animateur lui demande. « Vous préférez draguer ou être dragué ?» Une réponse confirmée par les archives, car lorsque la jeune femme venante lui demandait « Vous pourriez chanter une chanson au moins une heure ?» Frédéric François lui répondait « C'est non et non ». Il reste à savoir si Frédéric François était mal à l'aise ou s'il savait que son épouse Monique le regardait à cette époque. Une question très sensible qui a été soulevée par l'animateur, mais qui est restée sans réponse. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sous la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt.